tout le monde, je pensais que l'on avait tout compris des anciennes civilisations. Jusqu'au jour où je découvris que de nombreuses zones d'ombre nous éblouissaient sur notre histoire et désemparaient nos archéologues. Alors j'ai enquêté, sans les a priori et préjugés propres à toute personne compétente. Je voulais juste comprendre ce qui manquait aux explications de nos historiens, mais je ne soupçonnais pas où allaient me mener mes conclusions. Tout ce qui va suivre est la stricte vérité. Cette aventure nous mènera aux sites les plus anciens, les plus mystérieux et les plus impressionnants de notre monde, et même au-delà. Avant de nous positionner avec précision sur les théories modernes de nos archéologues, il semble judicieux de rappeler les prouesses propres à la construction de ces monuments. Première prouesse. Les Néandertaliens, qui étaient le peuple égyptien, savaient construire de grands édifices. Les pyramides, par exemple, ne semblent pas pouvoir être reproduites avec nos outils de construction actuels, car il n'existe aucune pyramide moderne à l'envergure de celle de Khéops. Deuxième prouesse. Des pyramides ont été observées un peu partout dans le monde, en Égypte comme en Antarctique, en Bolivie et même sur Mars. Une pyramide circulaire se trouve d'ailleurs à Pise, en Italie. Ces différents peuples, qui ne s'étaient pourtant jamais rencontrés, ont accompli l'exploit d'avoir tous la même idée d'architecture en différents points du globe et à différentes époques. Troisième prouesse. Les statues de l'île de Pâques sont positionnées de telle manière que lors des équinoxes, elles semblent toutes regarder dans une même direction. Le peuple à l'origine de la création de ces statues semblait donc avoir une connaissance parfaite des cycles naturels complexes qu'est la précession des équinoxes. Quatrième prouesse. Le Taj Mahal change de couleur en fonction de la luminosité ambiante. Les bâtisseurs de l'une des sept merveilles du monde avait donc une parfaite maîtrise de la science des photons, alors que la physique quantique n'a été démocratisée qu'au début du 21e siècle. Selon certaines sources, le Taj Mahal aurait même la capacité d'être parfaitement invisible de nuit. Cinquième prouesse. Les menhirs de Stonehenge, tous sans exception constitués de pierres pures à 100%, sont disposés de telle manière que leur centre de gravité subit une force parfaitement perpendiculaire au sol sur lequel ils sont posés. De plus, il n'existe pas à notre connaissance de menhir qui échappe à cette règle. Sixième prouesse. L'humanité connut un brusque saut d'une ère où elle se cachait dans des grottes et chassait des mammouths ou autres dinosaures, à une autre ère où elle construisit de majestueux édifices d'une précision mathématique inimaginable et dans lesquelles elle mettait au point les systèmes politiques les plus perfectionnés. Et aucune transition entre ces deux époques n'est connue de nos historiens. Septième prouesse. La muraille de Chine est perceptible depuis l'espace, et ce presque aussi aisément qu'un cheveu extrêmement long que l'on observerait à plusieurs kilomètres de distance. Un peu comme si ses constructeurs avaient tenu à ce qu'elle puisse être perçue par des voyageurs spatiaux. Ces éléments, aujourd'hui tenus pour évidents malgré leur improbabilité, ne sont pas les plus gênants. Considérez à présent que tous ces monuments n'ont été élaborés qu'avec ces deux outils. C'est cette apparente contradiction qui m'empêchait d'accepter le consensus scientifique moderne. Certains pensent qu'il est possible que de tels monuments aient pu être construits par des êtres primitifs. Et je dis non. Vu sous cet angle, la science se trouvait en échec. Et c'est cette énigme qui me poussa à amorcer cette enquête, sans même me douter qu'il me faudrait plus de 60 ans pour la mener à terme. Si je commençais enfin à comprendre que l'archéologie n'était pas une vraie science, les propos de Bleuette Diau, certainement la plus reconnue des égyptologues, étaient pour moi le pompon qui fit déborder la cerise sur le gâteau. Dès qu'on passe les frontières de la science, on passe pour un pseudo-scientifique et non plus un scientifique.
C'est alors que je partis en quête de vérité, endossant moi-même la mission de réétudier les sites les plus anciens de notre monde. Connaissant l'ampleur des inepties qui peuvent être dites sur ces monuments, c'est avec la plus grande vigilance que je m'attelais à cette tâche. C'est alors que je fus mise sur la voie d'un mystérieux informateur, semblant lui-même connaître le sujet sur le bout des doigts, et qui me proposa de commencer par examiner de plus près les chantiers de construction. Fasciné depuis toujours par les majestueuses pyramides, je pris l'avion pour l'Égypte. Une fois arrivé sur le chantier, je vis un peu partout d'étonnants murets, dont j'aurais parfaitement pu détourner le regard si je n'avais pas été invité à porter une attention particulière au chantier, justement. Et c'est là qu'une chose me sauta soudainement aux yeux. Ces murets étaient tous anodins. Ils dessinaient des créatures tellement reconnaissables qu'ils n'avaient pu être ainsi positionnés qu'à dessein. J'en avais à présent la certitude. Ces constructions étaient faites pour être vues du ciel. Une autre chose tout aussi intrigante dans ce chantier est la perfection de construction des escaliers. Les pierres sont tellement bien agencées qu'il ne nous serait même pas possible de glisser une lame de rasoir entre les marches. Il était donc question de comprendre quels outils technologiques étaient réellement utilisés. Robert Longéchal, le PDG d'une des plus prestigieuses boîtes de bricolage sur YouTube, me renseigna sur les outils nécessaires à la fabrication d'un escalier aussi abouti que ceux que l'on trouve sur les chantiers égyptiens. Alors après l'éclairage, on vérifie le niveau. Ben, c'est pas mal, hein. Si les Égyptiens avaient peut-être déjà inventé l'eau, ils n'avaient pas appris en revanche à créer des bulles, ce qui rend impossible l'utilisation d'un niveau à bulles. J'en avais à présent le cœur net. L'égyptologie actuelle se heurte à d'énormes contradictions. Observons à présent les pyramides depuis le ciel. Faisons pour commencer un tour au Groenland afin d'y explorer la pyramide à niveau, dite Teotihuacan. Vue dans sa globalité, cette œuvre architecturale nous dévoile quatre niveaux principaux, dont les proportions de volume sont les suivantes: 5, 6, 7, 8. L'addition de ces volumes nous donne le volume proportionnel global, qui n'est pas de 26, mais 36. C'est quoi la somme de 5, 6, 7, 8 ? 5 et 6, 11, 7 et 8, 15, 11 et 15, 11 et 15, 36. Si cette réalité me semblait totalement dépourvue d'intérêt, mon informateur secret m'avait mis en garde sur les rapports numériques propres aux pyramides, m'invitant à y prêter une attention particulière. Revenons-en maintenant à notre première pyramide, celle de Khéops. Celle-ci possède des propriétés bien plus remarquables encore. En effet, son volume est de 2 592 341 m3, sa base 18 650 m2 et sa hauteur 139 m. Ces nombres sont tous trois des multiples de 36. De plus, la somme des angles de sa base vaut très exactement 360. Cette coïncidence me choqua à un tel point que je ne pouvais plus en faire abstraction. Mais pourquoi ce nombre 36 était-il si présent ? Cette question devint pour moi si obsédante que je ne fus plus capable d'avancer dans ma recherche de vérité. Quelles que soient les pyramides que j'observais, quelle que soit la manière dont je les étudiais, je me retrouvais systématiquement devant ce même nombre 36, encore et toujours, incapable d'en savoir davantage. C'était donc dans le but de me changer les idées que je pris la décision de voyager encore ailleurs et de me rendre en Islande, à Stonehenge. Lors d'une visite purement touristique dans le parc à menhir, je fus frappé de stupeur. La réponse était là, juste sous mon nez. Les menhirs, au nombre de 36, décrivaient un cercle parfait, c'est-à-dire qu'ils étaient positionnés à 360 degrés. C'est cette idée du cercle que l'on observe aussi dans la fameuse pyramide de Pise qui me poussa à envisager le pourtour de la Terre et faire un voyage autour du monde afin de définir si un lien existait reliant l'intégralité des constructions sacrées de notre monde. Si l'on observe les pyramides les plus grandes du monde, on se rend compte que leur répartition est beaucoup trop exacte pour être due à un simple hasard. Elles sont positionnées de manière équidistante sur le globe. Une pyramide à Gizeh, une au Pérou, une au Groenland, une en Australie, une en Russie,
une en Espagne, une à Pise et une en Antarctique. C'est alors que me revint en tête une théorie entendue il y a longtemps, qui m'avait pourtant fait sourire à l'époque. Et la Terre, elle aurait une forme cubique. Si l'existence des coins du monde était claire, il me restait encore à comprendre pourquoi ils furent ainsi créés, et de quelle manière. Pourquoi vouloir une Terre cubique ? Jacques Grimaud, malgré son savoir d'élu hérité directement de son grand-père, parce que je bêtise ça avec des connaissances que vous ne possédez pas, n'était pas en mesure de m'aider à en savoir davantage. Une fois encore, il ne me restait plus qu'à me rabattre sur mon informateur secret. Lui seul pouvait m'aider à avancer. On ne connaît pas sa propre territorialité. C'est un crime. C'est une criminogenèse. La congolexicomatisation des lois du marché. Congo processus et jurisconsultance. Aussitôt ce précieux conseil donné, je pris une fois encore l'avion afin de me rendre au Congo. Ne connaissant pas grand-chose à l'histoire, je me rendis dans le musée des mythologies. Après plusieurs heures de visite, un document attira toute mon attention. Un texte cunéiforme, décrivant la mythologie sumérienne, racontait des histoires dont il était impossible d'obtenir les sources, car cachées au grand public, à l'exception bien entendu des visiteurs de ce musée. Voici l'histoire racontée. Un jour, les dieux Anunnaki, venus de la planète Nibiru, vinrent sur Terre à bord de leurs vaisseaux spatiaux et rencontrèrent les habitants de la Terre, des Homo habilis. Ces dieux anthropomorphes, à tendance zoophile, furent tant excités par les Homo habilis qu'ils les manipulèrent génétiquement afin de les fertiliser et pouvoir procréer avec ces créatures. Les hybrides qui en résultèrent, humanité actuelle, furent utilisés comme esclaves. En effet, les dieux aimant bien la couleur brillante de l'or, se servirent des humains pour les placer dans des mines. C'est en tentant de se rebeller que les humains construisirent la tour de Babel à Pise, que les dieux Anunnaki menacèrent de faire tomber. Des informations précises étaient même données dans ce texte sur notre système solaire, reproduit d'ailleurs avec une troublante précision dans cette gravure. Selon ces textes, Nibiru, faisant partie de notre système solaire, a une orbite excentrée. C'est en s'approchant du Soleil tous les 3600 ans que Nibiru dégèle et que ses habitants se réveillent. Leur prochaine arrivée marquera, selon ce texte, l'asservissement total et définitif de l'espèce humaine. Je pense qu'une civilisation extraterrestre s'est installée sur Terre et nous a légèrement modifiés, on va absolument, dire. Voilà. Absolument, alors, absolument. Mais je ne suis pas la seule pensée, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Le PDG de l'association virtuelle Pagans Libre Païen m'a d'ailleurs conforté dans cette position. Que différentes civilisations anciennes ont existé et qu'elles sont toutes raccordées elles-mêmes sur ce réseau, ce qui nous souffle l'idée d'une civilisation mère qui aurait généré les autres. De plus, ces civilisations étaient scientifiquement avancées. L'idée d'une technologie extraterrestre était particulièrement pratique pour expliquer ce que personnellement je ne comprenais pas. En effet, on peut être incrédule face à la récurrence si systématique du nombre 36, dont l'ajout de zéro coïncide avec d'innombrables découvertes archéologiques. Pour ces divers peuples qui ne disposaient pas d'un système numérique décimal, c'est-à-dire des mathématiques à base 10, la multiplication par 10 ou par 100 devient alors très problématique. Mais une intervention extraterrestre, que l'on pourrait à souhait imaginer capable de prédire l'évolution de nos sciences, redonne une cohérence à cette étrangeté. Le savant Jacques Grimaud nous en donne la preuve. Il démontre que la vitesse de la lumière était connue et qu'elle est inscrite dans les mesures en mètres de la Grande Pyramide. Ainsi, ces peuples si anciens avaient pu prédire l'arrivée du système métrique. Intéressons-nous à présent à la momie enterrée dans la pyramide de Khéops. À l'aide d'une demande d'accès à la momie du pharaon Khéops, je pus approcher son sarcophage et contempler de mes yeux son fameux crâne de cristal. Les égyptologues alors sur place m'informèrent aussitôt de la localisation des autres momies dont le crâne était également en cristal. Une dans le Taj Mahal, une dans la pyramide Teotihuacan, une au centre du parc de Stonehenge, une entre les Moai de l'île de Pâques, une dans la muraille de Chine, une sous la pyramide de Pise, une dans le parc Astérix et une dans le Sacsayhuaman. Apparemment,
il y en aurait encore 5 autres, non découvertes à l'heure actuelle. Justement, intéressons-nous à ces crânes. Selon ce que l'on raconte, ils auraient le pouvoir de nous révéler des connaissances ancestrales. Selon la légende, les crânes de cristal contiennent des images en 3 dimensions du passé, du présent et de l'avenir. Et certains les auraient aperçus. On commence à voir des images holographiques avec des extraterrestres, différents paysages, des lieux, des Mayas. Une vieille légende raconte que le jour où les 13 crânes de cristal existants dans le monde seront réunis, leur pouvoir se révélera au grand jour et ils transmettront un message crucial à toute l'humanité. Pour moi, cela faisait sens. L'humanité aurait donc à étudier tous les sites sacrés afin de trouver les crânes manquants et le message caché dans chacun des monuments en question se complétera d'un autre message encore plus important. C'est effectivement ce que j'avais entrepris avec mon voyage autour du monde. Dans mon analyse de ces pyramides, une nouvelle donnée était arrivée à mon oreille. Visiblement, les pierres étaient déplacées sous forme liquide, puis ensuite moulées directement sur place, ce qui facilitait considérablement leur transport. On verse le mélange de béton calcaire dans le moule et on le tasse avec un outil appelé une dame. Notre équipe produit rapidement un calcaire réaggloméré dur et dense. Cependant, les blocs de pierre étant tous de forme et de taille différentes les uns des autres, on comprend très vite qu'un moule avait été créé par bloc, ce qui rend le travail encore bien plus long et compliqué. Il n'y avait pas à dire, l'idée d'une technologie bien supérieure à la nôtre tombait vraiment à pic. Les Égyptiens n'avaient pas inventé la poudre à découper l'eau chaude, mais ils avaient bénéficié d'une aide non négligeable. Cette méthode semble pourtant encore aujourd'hui sujette à débat. Une autre version de l'égyptologie envisage l'art de faire léviter les blocs de pierre. L'archéologue Antoine Gigal, par exemple, nous explique que les Égyptiens savaient faire voler des objets dans les airs à l'aide d'aimants. Donc la statue devait flotter dans les airs suspendue par des aimants positionnés au plafond. Quoi qu'il en soit, face à la perfection et l'impossibilité de reproduire un tel monument, voici ce qu'en disent les archéologues officiels. Les Égyptiens ne voulaient pas s'amuser à tailler en forme de cube régulier des millions de pierres, évidemment. Donc, au million comblé, avec ce qu'on appelle du tout-venant, des chutes de taille, des cailloux, de la pierre, du sable, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, on parviendrait à le faire tout aussi bien, même beaucoup mieux. Traduction. Les pyramides ne sont pas parfaites, et des extraterrestres auraient fait mieux. L'art de se remettre en question étant propre aux personnes qui ont tort, il me semblait parfaitement légitime de ne pas tenir compte de ces arguments. Comme il m'était difficile d'en savoir davantage sur les pyramides, j'entrepris de chercher les autres crânes de cristal. C'est donc en direction de la Grande Muraille de Chine que continue mon périple. Cette gigantesque frontière mesure 21 000 km, c'est-à-dire exactement 36 000 yards. Une fois encore, ce nombre 36. Ne sachant pas où se situait ce crâne, je commençais par rassembler autant d'informations que possible à son sujet. L'historien spécialisé en histoire du monde, Rock Sauquer, est on ne peut plus formel. Cette muraille est, selon la NASA, visible depuis l'espace. On se souvient que la NASA nous avait dit que la muraille était le seul monument que l'on pouvait voir depuis l'espace. Bien que n'ayant trouvé aucune trace d'un tel propos tenu par la NASA, je savais que je pouvais placer ma plus grande confiance en ce scientifique d'une renommée internationale. Explorant de mes yeux la Grande Muraille, je fus très surprise par sa courbure. En réalité, elle dessinait avec une précision surprenante la fameuse courbe de Fibonacci. Cette courbe, elle-même tracée sur le nombre d'or. J'ai donc longé la muraille dans sa totalité, espérant y trouver le fameux crâne, mais je ne vis absolument aucun crâne de cristal. Pourtant, une fois arrivé au bout, je découvris une toute autre chose, bien plus spectaculaire encore. Comme l'extrémité de la muraille se trouvait dans le pays voisin, le Pérou, je fus arrivé directement sur le Sacsayhuaman, où je découvris ce qui s'apparentait clairement à un circuit électronique. Cette découverte fut pour moi une véritable révélation. Une nouvelle optique d'interprétation de ces sites sacrés s'ouvrait alors à moi.
La muraille de Chine m'était alors apparue comme un câble électrique m'ayant acheminé au cœur d'un ordinateur dont l'échelle était planétaire. Tous les sites sacrés seraient donc autant de pièces d'un gigantesque puzzle qu'il ne me restait qu'à assembler. Cherchant un point d'union entre tous ces peuples, j'eus l'idée de m'intéresser à l'Atlantide. Beaucoup considèrent aujourd'hui ce continent perdu comme ayant abrité le peuple à l'origine de tous les autres. Une théorie, présentée par la chaîne L'Histoire Corrigée, me poussa à faire des recherches sous les eaux, entre l'île de Pâques et l'Égypte, afin d'y trouver des vestiges de l'Atlantide. Enfilant mes palmes et mon tuba, j'étais prête à sonder la Méditerranée. Après plus de 3 ans de recherche, je découvris tout un ensemble de pièces d'une mystérieuse machine. À l'aide d'analyses poussées, je pus en déduire que ce mécanisme, que je baptisais arbitrairement Anticitaire, pouvait prédire les éclipses et datait de l'Antiquité. Si ce fait m'avait tout d'abord semblé anecdotique, je fus très vite rattrapé par la réalité. En effet, le journaliste Patrice Pouillard me démontra très vite qu'il était absolument impossible qu'un peuple antique, qui ne regardait jamais les étoiles, ne comprenne quoi que ce soit aux réalités astronomiques. Alors le fait que ce soit pendulaire comme ça, ça pose pas vraiment de problème. Le problème, c'est juste que tu as l'ellipse de la Lune, donc c'est pas vraiment circulaire, et puis toi, tu as des engrenages qui sont circulaires, donc c'est des mouvements constants. Or, quand tu as ton ellipse, la Lune se rapproche et elle s'éloigne, en exagérant. Ou alors, peut-être voulait-il simplement dire que les peuples antiques étaient trop bêtes pour créer un mécanisme complexe. Quoi qu'il en soit, il y avait là encore un problème qui désemparait les archéologues au dépourvu. C'est en étudiant les diverses pièces de cet appareil que je fus mise sur le chemin du photographologue Chris Dunn. Celui-ci me parla des analyses photogrammétriques très surprenantes qu'il avait pu effectuer auparavant du Sphinx de Gizeh. La photogrammétrie est une science qui, selon l'école Grimaud, consiste à prendre une photo d'un objet et à en étudier les formes et la symétrie sous un seul angle. Voici les conclusions auxquelles est arrivé ce scientifique. J'ai trouvé sur le sphinx, en plus de formes géométriques extrêmement complexes, une symétrie absolue presque parfaite. De plus, si l'on effectue une symétrie axiale d'une manière précise, on découvre ce qui semble être un Bouddha diabolique à cornes qui nous fait des doigts d'honneur. La précision de ce diable bouddhiste était telle qu'il n'était pas possible de le créer sans l'aide de machines. C'est donc en espérant élucider ce mystère que je pris l'avion pour le Tibet du Népal. Mais une fois sur place seulement, je me rendis compte d'un très gros problème. Sous l'effet d'un excès d'enthousiasme, j'avais acheté ce billet d'avion sans même me préoccuper de ce que je devais trouver. Bref, peu importe. Il ne me fallut pas très longtemps lors de mon exploration touristique pour me rendre compte que le dépaysement n'était pas celui auquel je m'attendais. Des statues de pierre étaient également présentes au Tibet, conçues avec la même précision que le Sphinx de Gizeh. Des momies étaient également présentes ici. Bien que je ne savais pas laquelle de ces cultures avait influencé l'autre, il était évident que l'explication la moins scientifique était celle du pur hasard. Et pourtant, une fois encore, voici ce que prétendent les historiens officiels. Sur toute la surface de la planète, il y a une seule espèce humaine, c'est l'Homo sapiens, qui depuis quelques 100 000 ans ou plus, d'ailleurs on vieillit régulièrement, ce brave Homo sapiens, et que lorsqu'il a à résoudre un problème technique, très souvent, il trouve la même solution. Autrement dit, il serait, selon cet archéologue, dans la nature humaine de s'intéresser à la mort. Lorsque je vis de mes yeux un moine bouddhiste en lévitation, les propos d'Antoine Gigal me revinrent en tête. Donc la statue devait flotter dans les airs suspendus par des aimants. La théorie des blocs de pierre en lévitation était un modèle scientifique fort. Bien, les pièces du puzzle commençaient à s'organiser pour me présenter un tableau mondial très cohérent. Je pris ensuite la voiture pour me rendre à Bagdad, dans le Taj Mahal. Après quelques heures de visite, je découvris une étrange jarre sur laquelle on m'apprit d'étonnantes choses. La pile de Bagdad était une petite jarre d'argile avec un bouchon en asphalte. La jarre produisait un peu plus d'un volt d'électricité. À cette étape de ma quête, plus rien ne me surprenait. Il fallait bien une source d'énergie à cette gigantesque machine et je l'avais enfin trouvée. Bref, récapitulons ce que nous savons. 1.
Un peuple extraterrestre avait été présent sur Terre il y a fort longtemps et a provoqué l'évolution des hominidés telle que nous la connaissons. 2. L'humanité a pu profiter de sa technologie avancée pour créer des édifices que nous ne pouvons plus reconstruire actuellement. 3. Les peuples en ont profité pour rendre la Terre cubique à l'aide de pyramides et disséminer un peu partout dans le monde les pièces d'une gigantesque machine. 4. Le fonctionnement et l'utilité de cette machine ne nous sont pas connus à l'heure actuelle. 5. Les statues de l'île de Pâques regardent toutes dans une même direction lors des équinoxes, qui pourraient bien désigner l'orbite de Nibiru par exemple. Lors d'un nouveau voyage autour du monde, dans l'espoir de découvrir d'autres éléments qui auraient pu m'échapper, je fus surprise de ne plus retrouver le Sacsayhuaman dans le même état que lors de ma première visite. Cette fois-ci, une étrange lueur attira mon attention. Le fameux anneau ressemblait à s'y méprendre à celui de la série Stargate. Voici d'ailleurs ce que disait Jacques Grimaud au sujet des pyramides. C'est ce que j'ai appelé très tôt une métamachine. Ce processus, ceux qui l'ont conçu pouvaient allonger leur vie. C'est là où se mettait la personne qui devait profiter du traitement, du bain de jouvence. C'était le roi antérieur à Ménès, vivait plusieurs milliers d'années. Ainsi, la série Stargate avait raison. Le but de cet anneau était certainement de nous permettre de nous enfuir lorsqu'arrivera la planète Nibiru. Cette idée, une fois encore, confirmée par l'expertise de Jacques Grimaud. Maintenant, s'il y a des clés, c'est qu'il y a des portes. Et je pense, et je vous le dis très clairement, puisque vous faites l'effort de venir, je pense que la porte la plus grande, c'est la porte céleste. C'est-à-dire comment on va pouvoir partir avant le cataclysme et revenir après, tranquillement, comme nos prédécesseurs l'ont fait. Tout ceci nous poussait à revoir une à une chacune de nos certitudes, au point que j'en perdais mes repères. Allait-on enfin considérer toutes ces découvertes audacieuses dont la prise en compte nous oblige à sortir des sentiers battus ? Ayant déjà eu affaire à des détracteurs de ce genre de théories, fermés d'esprit au point de ne même pas tenir compte des arguments, je ne me fais pas d'illusions quant à la manière dont sera perçu ce film. Ce travail sera certainement parodié, déformé et critiqué avec une grande injustice, et ce, sans même chercher à contre-argumenter. Mais mon but n'est aucunement de faire des adeptes. Il n'est question ici que de rétablir la vérité. Je souhaite juste ouvrir les yeux à ceux qui peuvent encore effectuer une certaine remise en question, leur faire prendre conscience de l'imminence de la catastrophe à venir afin de les y préparer. Pour cela, il vous suffit simplement d'acheter tous nos films et produits dérivés et de vous rendre à chacune de nos conférences. Car nous ne cherchons pas à faire de l'argent sur quoi que ce soit. Il est vrai que les événements à venir peuvent s'avérer particulièrement effrayants, mais dans le doute, il est de notre devoir à tous de nous y intéresser. En effet, si les peuples anciens se sont donné la peine de nous laisser de tels messages, c'est certainement parce qu'il nous est possible de nous en sortir. Nous sommes peut-être au bord du gouffre, mais nous pouvons encore faire un grand pas en avant.